Non. Je suis avec mon gros bébé d'as là. On est samedi. Là, il est 18h30. Là, ça fait la troisième fois que je le sors aujourd'hui parce que le pauvre, il est resté pas mal de temps enfermé à la maison. Comment dire que ce matin, je me suis levée à 5h30 et je l'ai sorti. On est parti se promener, c'était 6h. Il faisait pas encore nuit, alors j'ai pas pu l'amener là. Quoi? Il faisait pas encore jour, alors j'ai pas pu l'amener là pour le promener. On est allé juste là au bord de la route. On a fait demi-tour parce que ça va avec la nouvelle laisse que je lui ai achetée. Il y a tout de la lumière. Et bon, ça éclaire pas de ouf, mais ça éclaire de peu qu'on puisse avancer, marcher et tout. Non, ce matin, je suis descendue à l'aise. En arrivant à Espagnac, on est tombé sur un troupeau de moutons. Quand... Ben, ramène, ben viens ici. Ben, viens là. Viens là. Et non, puis tout à l'heure, il est en train de me dire qu'il n'est pas content. Parce que maman a dû le laisser. Donne. Ben, porte. Allez. Parce que maman a dû le laisser toute la journée, plus que prévu, enfermé à la maison. A pas fait exprès. J'y suis pour rien, moi. Est-ce qu'on est descendu? Et tout à l'heure, on est parti, quoi, c'était 7h15 quand on est parti. Feignant. Il est reparti se coucher là. On a dû le laisser parce que comment dire que bon, on a fait tout ce qu'on avait à faire. À 1h30, on a dit c'est bon, on part d'Alès. Grosso modo, 3h30, je suis à Amende. Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Comment dire que après, bon, Hispaniac, un moment où vous avez une route où vous avez 5 ou 6 virages. Déjà, dans le village d'Hispaniac, il y avait un tel arrêt. Que d'habitude, on n'est jamais à l'arrêt. À pas comprendre, on voyait les gendarmes de partout, des pompiers. On ne voyait pas d'accident. Il n'y avait pas de feu ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? On monte et on passe devant les gendarmes et on passe devant une fourgonnette où il y avait des vélos. Bon. En fin de compte, il y avait une course de vélo. C'était une course de vélo féminine. Mais en gros, on était tous au ralenti pour. Trois personnes pour trois celles qui font des vélos. Tu fais bon. On est resté bloqué, oui. Mais viens! 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 Apporte! On est resté bloqué, grosso modo, bien. 3 quarts d'heure. Ça fait qu'en gros, je suis arrivée à la maison. C'était quoi? On a roulé pendant ouais, pendant 3 quarts d'heure à 10 km/h. Oui, bah on va rentrer parce que là, ça fait plusieurs fois que tu te poses. On peut, hein? Et que, en gros, je suis rentrée à la maison. C'était quoi? C'était 4h15 par là. Mais non, non, c'était 4h que je suis arrivée juste. Je crois que ouais, c'était vers 4h que je suis arrivée. Je lui ai donné à manger et on est parti marcher dans la forêt pendant 1 heure. Un peu plus d'une heure même, on est parti dans la forêt. Et je suis rentrée à la maison, j'ai déchargé mes courses. Et comme j'avais pris de la viande pour mes voisins qui m'avaient demandé, je leur ai apporté la viande et que j'ai récupéré un énorme os pour le gros bébé d'As. Viens ici. Un gros bébé d'As, un mythe. Hein? Et que j'ai demandé à mon voisin. Bon, ils me l'ont coupé en 4, puisqu'il est quand même assez long et assez gros quand ils me l'ont montré. Ma fille, j'ai que ça. Ben, je vous le prends. Et là, j'ai demandé à mon voisin s'il peut me les recouper parce qu'ils sont énormes. Je lui ai apporté sa viande, les os. Je suis rentrée à la maison. J'ai tourné ma vidéo. Et j'ai commencé à ranger et tout, et monsieur commençait à s'exciter avec ses jouets et tout, et j'ai fait bon, ben j'ai compris. Comme il n'a pas pu courir ce matin,
Ben, il faut faire courir le gros bébé. Et en plus, il fait orage, quoi, c'est un temps orageux. Il fait chaud. Moi, ce matin, j'avais froid. J'avais pris un gros pull pour aller à l'Alès. À l'Alès, on s'est mangé de la flotte. Il faisait au moins 25 degrés et je mourais de chaud. Je suis rentrée à la maison et j'ai mis ça parce que j'en pouvais plus. J'avais trop chaud. Et là, comme je vois qu'il tourne en rond et tout, ben, j'ai fait écoute, allez hop. Je vais le faire courir un peu, ça va le faire du bien. De toute façon, avant de partir, j'avais acheté des eaux, des petites friandises, des eaux à l'animalerie hier. Ou avant-hier, je ne sais plus. Et ben, je les ai donné un gros, et voilà. Donne. Pour l'occuper. Et voilà. Bon, on va rentrer à la maison parce que là il commence à faire du vent et il fait pas chaud. Et toi tu commences à être fatigué parce que là ça fait quand même 4 ou 5 fois qu'il me fait ça. Hein. Oui mon bébé. T'es beau mon bébé. Ouais, Morrigan, elle, bon, je lui ai trouvé. De toute façon, vous verrez ça, vous l'aurez déjà vu dans la vidéo. Sa tasse Stitch, comme elle voulait. J'ai pris quoi? C'est Lego, comme elle voulait. Et tout. Mais j'ai pas trouvé de doudou parce que celui-là, il a un peu rendu l'âme. J'ai pas trouvé ses doudous pour ça. J'ai même pas trouvé de jouets pour les chats. Allez, là, mon cas. Allez. Mais viens là! Viens! Alors, mais bon. Ouh! C'est pas grave. Ouh, purée! Fais ton pissou. Aïe! Attends, mais oui, j'ai pris pas mal de trucs pour son anniversaire là, à mettre dans ses trucs. Faut juste que lundi j'aille acheter les boissons parce que j'ai oublié d'acheter les boissons. Pour l'école et j'ai oublié d'acheter des croquettes pour les chats. Oui, parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La commande a été annulée. Alors je sais pas, je sais qu'ils avaient des soucis d'ordinateur et tout. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça m'a annulé ma commande pour ce mois-ci pour Koba et les chats. Alors c'est pas grave. Je leur ai acheté des croquettes et voilà. Un gros paquet de croquettes et pour ce mois-ci. De toute façon, il m'en reste encore pour Koba. Il m'en reste encore pour les bébés. Ah, Koba! C'est un peu la fin que j'attends autant de corbeaux, mais je ne les vois pas. Je les entends, mais je ne les vois pas. Lui, ils sont fous. Ah, j'irai. Koba, s'il te plaît, arrête de tirer. Maman, elle a mal au dos parce que maman, ce matin, elle a dû prendre la maline. Tellement qu'elle avait mal, quoi. J'ai pris tout à l'heure maline, hein, il a fallu que je prenne un cachet anti-douleur à la caféine. Et je vois, on a fait des conneries avec ma copine dans la voiture. Même dans les magasins. Faut pas chercher à comprendre. On est comme ça. Allez, traverse, mon gros. Koba, viens par là. Bon. Moi, je vous dis à plus tard parce que là, on va rentrer à la maison. Je vais me poser mes fesses. Et voilà. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Attends. Ah, bon, coucou. Et... C'est bon. Il y avait un bruit qui n'est pas fait, qu'il faut que ça fasse pour fermer la porte. Oh. Oh ben, on rentre à ma maison. Là, il est 6h50. Oh. On va aller chercher mon gros bébé. De Koba. Et on va le promener. On va le prendre. Ah non, il est 6h45, oui. Ah. Désolée. On va aller le promener.
je vais réveiller mon bébé le temps que, parce que je vais prendre un croissant, quoi, un pain au chocolat à la boulange là, vu que nous on ouvre à 5h. Je vais prendre un pain au chocolat, je vais aller promener bébé, je vais la réveiller. Aujourd'hui, mon bébé, elle a 9 ans. Ça fait 9 ans qu'elle est née. Oh, ça passe vite. 9 ans. Ça passe trop vite. C'est plus un tout petit bébé de qui quoi d'un kilo 900 quand elle est née. Elle fait 30 kilos pour 1m37. Tout va bien. Mon bébé, mais bon. Allez, on va aller la réveiller. Et voilà. Bon. Moi je vous dis à plus tard. Bon, petit problème technique. Je peux pas. Oui, je suis bien, tranquille. Comment dire que vous te sentez bien ces 40 kilos? Ah, mais il est installé bien comme il faut là. Monsieur veut pas bouger. Et moi aussi je peux pas bouger. Vous avez mon fils? Vous avez mon fils? Voilà, on voit ma tête. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon gros bébé d'amour. Ouais, il va avoir 9 ans. Ouais. Et même, une autre fois, ce sera l'anniversaire de Koba, il va avoir aussi 9 ans. Au mois de décembre, ouais. Comment dire que... C'est lourd. Ça va, mon fils? Ouais, lui, il s'en fout, il est content. Il est en mode... Ah, mais t'es carrément sur lui? Oui. Faites des gosses. Faites des gosses. Complètement. Il va là. Ouais, mais là, il va falloir que je te coiffe et que je t'amène à l'école. Il veut pas bouger, là. Il veut pas que tu t'enlèves. Tu peux pas bouger. Eh, c'est toi qui m'en quittes. Eh, ouais, je peux bouger, hein. Et toi, tu peux pas bouger. Bon, allez, mon gros. Tu descends? Oui, tout à l'heure on y retournera, d'accord? Tout à l'heure on y retournera, maman elle travaille pas aujourd'hui. Elle a travaillé là tout à l'heure on y retournera. Tout à l'heure, je te retrouve du jour. Ok? Bon allez, je vais essayer de sortir de là. Non, oh, parce que là monsieur, il est bien là, tranquille. Je vous dis plus tard, je vais essayer de sortir de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je suis là. Allez! Allez, à plus tard. Ma! On est lundi après-midi. Je viens de déposer mon bébé à l'école avec les gâteaux, les bonbons, les boissons. Et là, je suis avec notre gros bébé d'amour, un copain. Où est-ce que l'homme ou fils? On va aller se promener un peu? Koba? On va aller se promener un peu? Hein? On va aller se promener? Oui, on va aller se promener dans le pré que j'ai le matin. Là où je l'amène le matin. Comme ça, je suis tranquille, il va se défouler un peu. Il faut que je change mes freins. Mon fils, on va où là mon fils? Non, là je suis partie avec deux gros sacs plus les gâteaux. Ça va? Il y en a deux restes. Il va en avoir deux restes, mais bon. Ça comme ça, je suis tranquille. On est où? Tu sais où on est? Tu sais où on est? Hein? Tu sais où on est mon bébé? Tu sais où on est, mon bébé? Hein? Tu sais où on est? On est dans le pré, là, mon cœur. On est dans le pré. Il adore ce pré. Attends, attends. Attends. Que maman attrape la laisse. Oh!
ton gros doudou là. Ah bah oui. Oh, le doudou il est sacré. Hein. Eh oh, il tire comme un fou celui-là. Non, je vais faire sortir, faire. Il va courir un peu. Le temps. Ah. Viens là mon bébé. Que je te défasse à l'aise. Viens là. Viens là mon cœur, que je te défasse à l'aise. Allez, donne le doudou. Coba, donne le doudou. De toute façon, je te ressortirai tout à l'heure aussi. Hein? Parce que l'herbe, elle est encore toute mouillée. Alors voilà. Non, je suis venue tout à l'heure après. Après avoir été chercher les boissons et tout. À Hyperu ce matin. Je l'ai fait un peu courir. Là, il est venu avec moi chercher Morrigan à l'école. Comme tous les matins. Après avoir amené Romain et Morrigan à l'école. Eh bien, on va faire une petite promenade. Et voilà. Hein, mon fils. Donne. 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 Hein. Et après, il va pouvoir faire terminer sa sieste. Parce qu'avant qu'on parte, il dormait. On l'a réveillé, le pauvre bébé. Morgane lui a donné ses cadeaux. Bon. On est lundi soir. Quoi, il est 5h. Et là, on est dans la forêt. En train de promener mon gros bébé. Il est où, mon gros bébé? Il est où, mon gros bébé? De promener le gros bébé. Avec mon autre gros bébé qui a 9 ans. Et ça passe trop vite. Ça passe trop vite, mon fils. Mais bon. Ah là là, on va marcher un bon moment. Et par contre, j'aurais dû garder mon pull. Tout à l'heure, j'étais partie faire cet après-midi, quoi. Vite fait, 4 ce matin, j'ai acheté les boissons. Là, je suis partie vite fait acheter des gâteaux et trucs comme ça pour Morrigan. Hein? Pour tout à l'heure, et acheter aussi de la nourriture pour les dinosaures parce que j'ai vu qu'ils m'ont resté plus beaucoup. Comme ça, je suis tranquille. Tout est bon. Là, bah, en fait, j'ai acheté des croquettes pour Koba pour rien parce que ouais, je vous dis, la commande était annulée, il y a eu des soucis. Et en fin de compte, c'est bon. Il me livre la commande de Koba pour 2 mois de croquettes, de plumes et tenoun. Et puis, je l'ai le mois prochain. Comme ça, voilà. Je devais racheter des croquettes pour les chats, mais j'ai pas besoin. Le problème était résolu. Je reçois tout la semaine prochaine, ou cette semaine, ou la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, je suis tranquille, mais bon. Ben, Koba, il aura de quoi manger ses croquettes. Parce que là, voilà, ouais, sachant que je vais recevoir pour 2 mois de croquettes pour Koba. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera nickel. Ah voilà. Ouh. On est un peu fatigué parce que ben, j'ai pas travaillé, mais j'étais pas chez moi toute la journée. Comme toujours. Toujours à courir à droite et à gauche, que j'ai des trucs que je veux faire et que j'arrive pas à faire. Ah mon fils. Ah oh. Il est mon fils. Hmm. Ah voilà. Alors là, demain je fais le plein de la voiture. Demain soir, faut que j'aille voir un ami que je suis allée voir dimanche. Oui, parce que je vais répondre à votre question parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question. C'est fait un moment que je parle plus de mon copain. Oui, c'est normal. Parce que relation à longue distance, en fin de compte, c'est pas une très bonne chose. Surtout quand il vous cache qu'il avait déjà une copine. En gros, il voulait une copine quand il est ici en Lozère et garder. Non. Ça, c'est pas un truc que j'apprécie. Alors, j'ai coupé court. Et comme ça, on est tranquille. Comme ça, je suis très bien avec ma fille. Et voilà. De toute façon, je vais juste voir un ami que. Lui aussi, il a des petits soucis.
Voilà. Mais ça sera sur rien de plus. Non, parce que moi, les personnes qui cachent la vérité, qui mentent, c'est un truc que je ne supporte pas. J'arrive, mon fils. Maman est plus lente. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, j'arrive, mon fils. Est-ce qu'il attendait? Il attendait que maman, elle arrive. Mais oh, maman, elle est pas aussi rapide. Oui. Si tu veux. Je voulais dans mon cartable. Je voulais dans mon cartable importer mes châteaux de sable, mon cerf-volant, les coquillages et le portique de la plage. Maman m'a dit ce n'est pas permis et puis tout ça, ça ne rentre pas. Alors j'ai pris un beau stylo pour lui goûter quelques gâteaux. Mm-hmm. Plus trois petits grains de sable. C'est bien! C'est très bien, mon cœur. C'est très bien. Bon, nous on va continuer encore un peu parce que là on est allé un peu plus loin que d'habitude. Et c'est Koba qui dira s'il voudra qu'on rentre. Voilà. Bon, moi je vous dis à demain. Dan. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mardi, il est 9h30 et je promène le gros. Quoi, on fait jouer le gros bébé d'As, mon fils. Est-ce que tout à l'heure je vais aller travailler 11h30, alors je le dépense un peu parce que ce matin on s'est fait engueuler avec Morrigan tous les deux. Est-ce que ce matin j'arrive du travail, je le prends, je vois que Morrigan adore encore, je le prends, je le commence à sortir, on sort de l'immeuble, t'as Morrigan qui fait « Maman !» Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as oublié pour aller prendre les cobas. Bon, bon, on a dû attendre que Morrigan s'habille pour aller le promener. Ah non, depuis hier, elle veut venir avec nous promener Koba. Vous venir avec nous promener, voilà. On lui balance le joujou. Oui, on lui balance le joujou. On le fait courir. Ah, maman, elle est pas jeune. Hein. Et voilà, comme ça, il court et on profite, elle est contente. Après, on le prend, on l'amène pour aller à l'école. On va la rechercher avec le gros bébé. Hein? Là, ce soir. Je vais la récupérer, on va le promener et après je l'amène chez Marlène. Moi je dois aller voir un ami aussi ce soir. Ouais! Et demain, rebelote. Je vais être claquée. Ah, me le sens, en ce moment je suis fatiguée. Non, hier soir, j'en ai fêté son anniversaire chez les voisins. Elle était contente. Elle était contente, mais bon. Ah, t'es souris, mon bébé. Oh oui. Ah, hier soir, on allait dans la forêt qui est tout en haut. On n'est pas allé c'est qui est à côté de la maison parce que j'ai mon voisin comme il est chasseur, il m'a fait gaffe. Quand je suis partie à 4h, il m'a fait parce que j'ai vu des chasseurs dans la forêt où tu vas. Bon, on va aller dans l'autre. Oui, non, parce qu'il faut que là, le mois prochain, je lui achète un harnais. De toute façon, c'est prévu que je lui achète un harnais, mais il faut que je le prenne orange fluo. Comme ça, on le verra de loin, lui. Est-ce que dans la forêt, comme je le lâche, moi, même s'il n'est pas loin de moi ou de Morrigan, mais moi, comme ça, ils le verront. Ah, mon bébé. Oh.
Oh, faudrait que j'achète ça. Et voilà. À mon fils. Bon, je vais continuer à te faire jouer. Je vais me boire mon café. Et après, je vais aller travailler. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Attention les gros culs. Tiens-toi, oui, aux arbres. Toute façon, où Choupi doit aller, tu y vas. Doucement, mon bébé. Voilà. C'est très bien. Aïe. C'est très bien, mon cœur. C'est très bien. Super! Je crois qu'il... Non, ah, il est content, il veut jouer. Quand il te saute dessus, c'est qu'il est content. Mais par contre, tu le repousses, faut pas trop qu'il te saute dessus, qu'il te fasse mal. Maman, elle s'en fout, mais toi, t'es encore petite. Hein? Bah oui. C'est très bien. Bon. On est dans la forêt qui est à côté de la maison. Et il est 4h30, j'ai récupéré bébé. Le gros, chaque fois que je l'avais mis dans la voiture, quand j'arrive à l'école, je le sors parce qu'un peu plus loin, il y a un champ, comme ça il fait un petit pipi avant qu'on fasse la grosse promenade. Et se dégourdir un peu les pattes. Et là, bon, quand il est dégourdi, qu'il a fait pipi, je le remets dans la voiture. Je sais que... Ils sortent dans 10 minutes. Non. Monsieur Queenie ne voulait pas rester dans la voiture. Il a fait caca? Il a fait caca? Hein? Ah, d'accord. Et il a fallu que je le sorte. Bon, les tenues en laisse. Dès que j'ai sorti la voiture, il était assis devant là. Parce qu'il y a un petit portail et des escaliers. Il était assis devant le petit portail, il attendait. Oh voilà. Il attendait que Choupi elle arrive. Dès qu'il a vu Choupi, il était taré. Koba! Non, c'est moi le tyran, hein. Il est trop grand ce collier. Allez! J'aimerais que tu achètes un collier un peu plus petit. Non mais c'est prévu que j'achète un collier à sa taille. Mais il faut que j'aille à la limaderie. Parce que je vais acheter un collier et un harnais. Est-ce que le collier, je vais mettre une médaille avec son nom et mon numéro de téléphone? Oui, mais sur le harnais aussi? Non. Que sur le collier. L'harnais, on le mettra juste quand on sortira. Oui, mais tu vas pas mettre la laisse sur le collier parce que t'as peur que ça... Non, la laisse, je la mettrai sur l'harnais. Mais t'as peur que... En fait, t'as fait mal à Koba. Ouais. Le collier. Il a quatre pattes, toi t'en as que deux. Oh. Voilà. Là, on va faire notre petite promenade. J'amène Morrigan que je dépose Koba à la maison. Quoi, je vais amener Morrigan à... chez Marlène. Après, je vais débosser Koba à la maison. Et voilà. Et on va pouvoir se poser un peu. Parce qu'elle est fatiguée, là. Parce qu'en plus, mes horaires vont changer. Demain, elles changent. Au lieu de commencer à 11h30, je commence à 11h. Pour finir à 3h. Le mois prochain, je finis. Quoi, je commence à 9h30. Pour finir à 1h30. J'ai demandé de commencer du matin et mon patron m'a fait, il n'y a aucun problème. Alors voilà. Bon, on va continuer la promenade et je vous dis à plus tard. Bon, vous tout le monde, faites pas gaffe à ma gueule, je suis fatiguée. Et puisque je commence à être malade, j'ai mal à la gorge, ça m'énerve. Et j'ai le nez qui est bouché par moment. Là, je suis avec Koba.
Là, ça fait la deuxième fois que monsieur se couche. Alors, je crois qu'on va pas tarder à rentrer. Est-ce que là je vais pris ce matin, j'ai pris des cachets pour la crève et tout. Ouh. Tout à l'heure au travail, ils ont une machine à café, j'ai bu un thé vert, ça m'a fait du bien au niveau de la gorge. Là, je vais rentrer à la maison, je vais refaire du thé vert, du thé à la menthe, pardon. Après, je vais prendre une douche parce que là, il fait froid quand même. Et du vent, il fait froid. Parce que là, le soleil, il est pas prêt de se lever. Après, à 11h, je vais aller travailler. Au lieu de 11h30 parce que mes horaires ont changé. Parce que, mais, de toute façon, j'ai pas eu trop le choix. C'est parce que l'agence, les horaires de l'agence ont changé. Alors, j'étais obligée de changer mes horaires. J'ai pas eu le choix. On y va, mon gros? On y va? On rentre à la maison? À mon bébé? On rentre? On rentre à la maison? Allez, viens! Koba! Allez, viens! Non, là, ce soir, en sortant du travail, quoi. Je finis à 3h. Je vais rentrer à la maison, je vais promener Koba, le faire jouer et tout, comme je fais là. Tout à l'heure, je le ressortirai aussi, c'est pour qu'il fasse un pipi avant que j'aille au travail. Tu veux quoi, mon bébé? Tu veux ça? À 4h, je lui donnerai à manger, j'irai chercher Morégan, on ira le promener, voilà. Ah, oh, j'ai la tête. Eh ben. Ça va? Ça va? Ben viens. Viens. Ben allez, viens. Apporte. 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 Non, mais tu te foutais de ma gueule là? Apporte. Non mais. T'es sérieux? T'es sérieux? Bisous maman. Bisous. Bisous. Donc ce matin je l'ai écrasé. Il était à côté de mon lit, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, c'est lui qui était venu dans ma chambre. Je l'ai pas entendu en fait, parce que quand je suis partie me coucher, il était resté au salon. Il dormait sur sa couverture. Ah bon. Et je couche, on va y aller. J'ai pas entendu du tout qu'il est venu dormir avec moi cette nuit, qu'il est débarqué dans mon lit. Quoi, pas dans mon lit, il est par terre à côté de mon lit. Quand mon réveil il a sonné, bon, comme d'habitude, j'avais mes trois chats sur le lit. Eux, dès que le réveil il sonne, faire des câlins et tout. Quand je suis descendue de mon lit, en fait, il était là, je l'ai écrasé. Je lui ai donné un coup sans faire exprès à mon bébé. Ah, purée. Ah, voilà, bon. Et nous on va rentrer parce que là le gros bébé, ben, ça fait trois fois qu'il se couche. Et en général au bout de la troisième fois qu'il se couche, on rentre. Parce qu'il est fatigué. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon, on est mercredi et... J'ai perdu ma fille et Koba. Ah, ils sont là d'un champ. Non mais... Tu... Il m'a trouvé un bâton de la cabane abandonnée. Il passe pas dans la voiture.
Fais attention parce que... Ah. Koba. J'ai dit ça passait pas à la porte, il a foncé directement. J'ai cru que ça allait passer à la porte, si c'est passé. Il a trouvé ça dans la cabane abandonnée en plus. Il s'éclate avec son bâton. Attends, fais attention parce que depuis tout à l'heure il y a une moto là, je sais pas. Elle est là-bas. À côté de la voiture? Oui. Non, c'est quand on a des jeunes là, qui font n'importe quoi avec leur moto. Ils passent dans le chemin où c'est interdit. Et... Quoi? Ouais. Mais bon. Bon. On va rentrer mon cœur. Bon. Allez Koba. Ouais. Non, c'est parce que là, ça me plaît pas. Il y a deux messieurs qui sont à côté de la voiture en moto et que ça me plaît pas du tout. Je sais pas comment Koba va réagir. Et j'ai oublié d'aller dans la voiture. En plus. Bon, on va passer tout droit. Bon. J'ai un gros petit. Oh. Un petit problème. S'il m'a porté ça, il est 9h30 et que monsieur veut sortir encore. Qui est sorti il n'y a pas bien longtemps. Ah non, 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 non. Le doudou, il reste par terre, lui. Non, il reste par terre, celui-là. Non. Elle est là, ta corde. Non, et aussi, là, non, depuis hier, il sait que je suis pas bien. Depuis hier, il m'amène tous ses doudous, tous ses jouets. Oui, mange ton os. Oh, il m'amène. Depuis hier, ouais, il m'amène ses jouets. Il m'amène tout ce qui est ses doudous, ses jouets et tout. Il vient sur moi pour faire des câlins. Et il fait 40 kilos aussi. Non, parce qu'il sait que ça va pas. De toute façon, là, hier, il a dormi avec Morrigan. Morrigan lui a mis... Elle part au lit. Quand elle va au lit, il va dessous son lit. Au moment où elle est descendue, elle a foutu une couverture sur lui. Et il a gardé. Il a dormi avec la couverture. Ah, mon bébé. Ah, il a gardé avec la couverture et tout. Il a dormi. Et quand j'ai déposé mon régal, mais depuis tout à l'heure que j'ai déposé mon régal, il vient sur moi, il fait des câlins, il a parti jouer et tout. Là, je suis partie boire le café avec une amie à la boulangerie, comme on fait tous les matins. Et pour voir, parce que comme lundi, on a rendez-vous avec les ongles, parce que, ouais, parce que là, ça craint un peu. Parce qu'on n'a pas eu rendez-vous avant, parce que son institut, elle a changé de place et tout, le temps qu'elle déménage, ainsi de suite, ces bases-là. Et là, j'ai un doigt, quoi, ça fait même pas... Si, ça fait un petit moment, je suis rentrée, j'ai tendu le lien, j'ai une autre machine qui est en train de tourner, là. Il est collé à moi. Et voilà, je lui ai donné son pied de mouton, là, qu'il aime bien. Ah, la machine, elle a presque fini d'entrer les souris. Est-ce que moi, après, je le ressortirai d'ici une demi-heure? Ou je le ferai courir et tout, et après, je vais aller travailler. Ouais, ce matin, Morgane, elle voulait venir avec nous ce matin là pour le promener. Elle est venue, la pauvre, elle avait son pull, elle avait pris mon pull là, mon gilet. Elle me fait, maman, j'ai trop froid. De toute façon, depuis qu'on a Koba, Morgane, elle a beaucoup changé. Elle est plus responsable et elle s'en occupe pas mal. Là, tout à l'heure, elle me fait, maman, je veux tenir en laisse pour l'amener à la voiture. Mais tiens, non, laisse pas amener la voiture. D'ailleurs, quand on s'est promené, bon, il y avait des jeunes avec des motos. Il y en avait un qui s'amusait à faire tout le tour de la voiture. En fait, si vous voulez, c'est qu'il y a quelques temps,
cet été. Comme ça, quand les personnes laissaient leur voiture sur le bas-côté fermée à clé, qu'ils allaient se promener, ils se sont fait cambrioler la voiture. Casser les vitres et tout le bordel. C'est pour ça qu'hier, moi, ça, j'ai pensé, j'ai dit à Morgane, si on fait demi-tour, on va vite à la voiture parce que. Et quand le jeune, en fait, il nous a vu quand on était dans le pré, quand on descendait, quand il a commencé à nous voir, il est vite parti de l'autre côté parce que j'avais Koba et Koba, j'avais oublié la laisse dans la voiture. Koba commençait à aller directement vers la voiture et vers lui. Il a fait demi-tour, mais bon. C'est pour ça que maintenant, je m'en méfie. Mais bon. Là, tout à l'heure, j'irai. Ce soir, quand j'ai fini le travail, j'irai le promener comme j'ai fait hier. Je finis à 3h. Après, je lui donne à manger et on ira chercher Morrigan et on retournera se promener. Mais bon. Oh, encore demain. Et après, c'est week-end. Je pourrais dormir. Ah, parce qu'hier soir, j'ai mis les patchs sur le front. Et j'étais. C'est simple, à 9h, Morgane, elle était déjà au lit. Moi, je suis partie au lit à 9h parce que j'avais une machine que j'ai mis à tourner. J'attendais qu'elle ait fini. Mais j'ai dormi direct, quoi. Doucement, ma fifi. Parce que j'étais naze. Mais vraiment naze. Mais bon. C'est comme ça. Ouais. Bon. Là. On va attendre encore un peu. Après, je vais le sortir. Et on va aller travailler. Je vais être encore à 2 à l'heure. Douce. Vous avez fini de vous chercher mutuellement, là, tous les deux. Moi, j'ai T-Rex qui est sur la cage et j'ai Plume. Oui, c'est Plume. Non, c'est... Oui, c'est Plume. En fait, il appelle Plume pour jouer avec lui au niveau de la cage. Ah, mais quand ils s'y mettent aussi, ils déménagent toute la maison. Mais bon. J'ai l'habitude. Bon, mais écoutez. Moi, je vous dis à plus tard. Regarde qui c'est qui est là. Ah, mais la princesse. J'ai pas vu la princesse là-bas. Il y a monsieur Pignon. Il y a monsieur Pignon. Il est là, qui protège ses œufs. Elle veut voler ses œufs depuis tout à l'heure. Comment dire que... Il prend quand même de la place, le gros bébé. T'es obligé de me mettre au milieu. Non, vas-y, cherchez pas, je suis malade depuis hier et... C'est pour faire tomber la fièvre. Bisous. Regarde. Oh, il a fait tout. Ils sont en train de bisous tous les deux. Ils se sont regardés. Non, ils sont en train de bisous. Non, ils sont regardés. Il a la tête dans la corbeille, lui. Je sais pas, c'est pour se poser. Koba, pourquoi t'as la tête dans la corbeille? Tu veux descendre? Quoi, pied qui pue? Elle te fait mal avec ses gros pieds qui puent? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux descendre? Ben vas-y. Je vais tout casser! Hey, ah, hey, tu y arrives, mets ton gros cul. J'ai cru qu'elle allait emporter la couette. Oui, ben moi j'ai besoin de la couverture parce qu'il fait froid. Va fermer par contre la fenêtre de ta chambre parce que là il fait froid, mon cœur. S'il te plaît. Il fait beaucoup froid là. Oh non, là, je suis. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je me regarde qui est en train de manger un petit riz. Il y a ton os là-bas. Non, ouais, j'ai récupéré le petit bébé tout à l'heure. On allait se promener, mais là, j'ai froid. Regarde, tout à l'heure, m'a touché le foie, m'a fait maman, t'es chaude. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une bande. J'ai
J'ai rien. Bon. Moi, je vous dis à plus tard parce que là, je suis KO. S'il est 6h30, et tout, je vais faire à manger et je sais pas quoi. On va voir. Et voilà. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Oh, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est vendredi. Il est 1h20. Je viens de rentrer et récupérer le gros bébé. Parce que ce matin, j'ai attaqué à 9h30, vu que Morrigan a rendez-vous à 2h30, je la récupère à 2h15. Alors là, je prends le gros, on va se promener. Quand je le fais jouer, je le dépose à la maison, je vais chercher Morrigan. Le temps qu'il y aille, qu'elle soit là-bas. Moi, je reviens, je donne à manger au gros. Parce que, et après on va aller se promener avec Morrigan, parce que comment dire que ce matin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je n'ai pas entendu mon réveil sonner à 5h. Je me suis, à un moment, bah, je me suis réveillée parce que j'avais Ténoun qui était sur moi, Plume qui était à côté de moi, qui arrêtait pas d'enronner. Et à un moment, je l'ai entendu en train de bouger. J'ai fait bon, je me réveille. J'ai fait un bond, on me le dit, quand j'ai vu que c'était 6h30. Bon, alors j'ai prévenu mon patron qu'en quoi ben, j'ai une peine de réveil et que j'irai ce soir. De 5h à 6h. Parce que ben voilà. J'ai une panne. Ça arrive. Ah, mais j'ai pas entendu mon réveil sonner, mais c'est hallucinant quoi. Alors, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal fatiguée. En plus, avec la grève, ça arrange pas du tout. Mais bon. Alors ce matin, ben, en total, j'ai réveillé ma fille, on est allé promener Koba. Je suis allée travailler à 9h30 comme tous les vendredis, maintenant ça va être comme ça. Et à partir du 1er octobre, ça va être comme ça, tous les jours, je vais commencer à 9h30. Pour finir à 1h30, ça sera beaucoup plus simple. En plus là, il y a plein de parents qui amènent leur gamin à l'école, là, vu que ça va être 1h30. Voilà. Non, alors ouais, cet après-midi, on ira le promener après que Morrigan ait fini. Et non, oui, Lana, ouais. Oh non, toi, je te récupère, c'est la maison et on. Bah, apporte. Apporte. T'as fini? T'aimes pas les pines de paix. Allez, apporte ton doudou. Pourquoi t'as pas pris la corde? Mais donne. Allez. Donne. Ah, c'est son petit truc d'aboyer comme ça. Non mais t'es chiant aussi de me mettre là-bas, tata win les bains. Hein? Ah, il y a un chien qui est de la même couleur que toi. Qui est en face. Oui, parce que moi je suis dans le pré. Eh oui, maman elle est dans le pré. Pourquoi t'as pas pris ta corde? C'est plus simple à envoyer mon gros. Là, encore un peu. Et après, je vais te déposer parce que maman va aller chercher gros cucu d'amour. Pour l'amener chez la psy. Et ouais, en fait, ouais, non, Alana, pourquoi? Pour 40 minutes. Ouais. De toute façon, je vais comme finir. Je reprends à 5h, ouais. Si je te ferai manger, je te promènerai un peu. On te promènera un peu. Maman ira travailler et quand je reviens, on jouera. Ouais. Parce que ça va être short sinon. Ça va être short. Et dimanche, on va chez mon père. Voilà. Dimanche, on va chez papa. Dan. Dan. T'en route.
Et dimanche, on va chez mon père et voilà. Monsieur, quand je suis partie, il était sur le canapé. Parce qu'il vous regarde, il vient vous faire un câlin, et en fait, petit à petit, il monte sur le canapé. Ah, mon gros. Ah oui, là-bas, c'est un berger allemand 100%. Que toi, t'es la moitié. Ah, toi, t'es une moitié, t'es pas un entier. Ah Attends, même pas, je crois pas que c'en est un. Ah non, ça n'est pas un. C'est juste la couleur que vous avez en commun. Non, ça n'est pas un, c'en est un. Lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est jouer. Il s'en fout du reste. Tu sais qu'il fait pas chaud, mon gros. Tu tombes pas les steaks. D'accord, j'ai compris, tu tombes pas les steaks. Allez. Quoi, t'es fatigué? Et pourquoi tu veux? Hey, c'est toi là, hein? Dan? 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 Il aime pas quand je fais ça. Je t'ai dit de prendre la corde. Avec le vent, ça s'envole pas. Donne. Mais pourquoi tu le pousses en bas en douillette? Mon fils. Bon, moi je vais laisser, je vais continuer à jouer un peu avec lui et après on va rentrer. Est-ce qu'il fait froid? Bon, moi je vous dis à plus tard. Koba, Koba, Koba. Crash. Koba, donne. C'est quoi? Un os. Non, Koba, viens ici. Et c'est tout ça. Je veux pas que tu attrapes les trucs qui sont par terre. Tu ne touches pas les trucs qui sont par terre. C'est pour ça qu'il voulait qu'on y aille dans la forêt là. Non, 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 non. C'est pas bien. Koba, non. Si tu vois une nourriture par terre, tu ne la manges pas. Voyons, je suis le petit chaperon noir. Allez hop, on fait demi-tour là. Koba, bon. Coucou. On est vendredi soir. Regardez, je suis dans le noir. Qu'est-ce que tu vois? On est là. Tu vois la maman? Bah oui, je te vois parce que t'es à la lumière, mes cassettes. Non, Koba. Si je suis dans le noir, que je suis enfilée sur une couverture noire, tu ne vois pas. Ouais. Bon, là, sur la dernière promenade du soir. Oui, la dernière promenade de la journée. Parce qu'il est 20h30. Oui, mais maintenant elles sont froides. Oh non, mais il a fait vachement froid aujourd'hui. Bon, à l'école, à l'Ulysse, on était obligé de mettre un radiateur. Oui, ils ont donc pas... il fait trop froid. Oui, ils n'ont pas rallumé les chauffages. On sait. Certains endroits, c'est les pelles. Il y a là, mon gros. Que nous, on a de la chance d'être en bas. Allez, viens. Parce qu'en bas, le sol, il est tout chaud. Mais non, mais là, ils n'ont pas mis les chauffages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se les est pelés, mais bien comme il faut. Et là, moi, j'ai juste un gilet, je peux dire que j'ai froid. Et moi, j'ai le poncho de maman, qui voilà. Me tient bien chaud. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ouais, non, là, on fait les dernières promenades. On va rentrer, se mettre en pyjama, se poser et puis bouger. Parce que là, on n'en peut plus, toutes les deux. Et moi, là, je suis sur les rotules. En plus, ce matin, je me suis oubliée, mais total. Moi, je suis allée travailler ce soir avec Morrigan. Elle est venue m'aider à faire les classes et les bureaux que j'avais à faire. Et voilà. Mais ah, il fait froid. Alors là, on va vite rentrer à la maison. Attends, Koba. Allez, traverse. Et
On va se poser, voilà. Bon, mais écoutez, moi je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Non, 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 non. Tu vas où là? Tu vas... Oh, c'est un autre husky. C'est un husky. Oui, j'ai vu. Mes copains, ils s'en foutent des chats et des chiens. Bon, moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bisous.